WordPress, les catégories. Nous avons à présent un nombre important d'articles. Dans la réalité, il y en aurait bien plus. Nous pouvons alors avoir besoin de rassembler un ensemble d'articles ensemble pour, par exemple, les présenter sur une page ou bien en faire des menus ou des sous-menus. Nous appellerons cela les catégories. Les catégories consistent donc à ranger des articles dans une boîte et sortir ou afficher cette boîte quand nous en aurons besoin. Alors, nous allons, dans notre exemple, avoir deux types de boîtes, deux types de catégories. Une catégorie pour les articles culturels et une catégorie pour les articles dits people. Nous aurons donc deux catégories à créer et nous rangerons nos quatre articles dans chacune de ces catégories. En fait, nous avons deux articles people et deux articles à dominante culturelle. Alors, on va déjà créer les catégories. Pour cela, on va dans le menu articles catégories. Et là, on va mettre dans le nom culture. Et c'est tout. On va donc enregistrer, enfin ajouter une catégorie. Et puis, donc on voit la catégorie culture qui est créée. Et on va créer maintenant une deuxième catégorie qui va s'appeler people. Même chose, ajouter une catégorie. Vous voyez, c'est très simple. Nous allons à présent assigner ces catégories à nos articles. On retourne dans articles et on va dans chacun des articles. L'histoire du t-shirt. Lui sera dominante culturelle. Donc, dans la partie droite, on va descendre. On a catégorie. Vous voyez que là, on a non classé, pour uncategorized. Et puis, on a les deux catégories que nous avons créées, culture et people. Donc là, je vais définir cette catégorie comme étant l'histoire du t-shirt, c'est quelque chose de culturel. Et j'enlève non classé. Si j'avais une troisième catégorie à créer, je pourrais très bien le faire directement ici. On va enregistrer et nous allons recommencer pour chacun des articles. C'est-à-dire chaque article, on va les ranger dans des catégories. Le t-shirt à la mode aujourd'hui, ça sera People. Les stars s'approprient, ça sera People. Et la fabrication, ça sera culturel, culture. Donc je vous laisse faire cela, moi je le fais également, je vais peut-être mettre en pause pour ne pas trop perdre de temps. Donc là, les t-shirts à la mode, on a dit que c'était non uncategorized, mais c'est people. On enregistre, on retourne. Troisième article, les stars s'approprient le t-shirt. Là aussi, les stars, c'est people, donc on va aller dans people et on décoche uncategorized. Et enfin, dernier article. Si je ne clique pas, ça peut marcher. La fabrication d'un t-shirt. On bascule sur culture. Enregistrer. Et je retourne sur WordPress. Ainsi, mes quatre articles possèdent chacune une catégorie. Dans le cas de notre exemple, nous utiliserons par la suite les catégories, même si pour l'instant on ne voit rien, pour créer des menus. C'est-à-dire qu'on aura un menu qui affichera les articles culturels et un autre menu qui affichera les articles dits people. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker celle-ci. Ça fait toujours plaisir de voir que mes vidéos plaisent. Et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo du même type qui traite des étiquettes. On verra la différence qu'il y a entre les deux.